2014 fut une grande année pour le jeu vidéo, tout support confondu. Nous avons eu notre lot de grands jeux, d'annonces surprenantes, des événements plutôt à la hauteur de nos espérances, et même quelques surprises du côté du jeu indépendant. 2014 est aussi l'année des portages next-gen sur PS4 et Xbox One, des consoles qui ont peiné à nous proposer un catalogue vraiment différent vis-à-vis de l'ancienne génération. 2015 vient à peine de commencer que de gros titres pointent déjà le bout de leur pixel dans les premières semaines de l'année. On fait donc le point sur ce qui nous attend dans ce top 10 des meilleurs jeux de 2015. Negotiations between the LAPD and a suspected drug ring have broken down. The LAPD is now prepared to free the hostages inside. Auparavant prévu dans le courant de l'année 2014, Battlefield Hardline s'est vu reporter afin de bénéficier de plus d'attention dans ses mois supplémentaires. Cet épisode marque le renouveau de la série Battlefield en s'éloignant du sempiternel univers militaire. Les stars du jeu sont les policiers et les trafiquants de drogue jouant au jeu du chat et de la souris porté par le savoir-faire de Visceral Games en matière d'action non-stop. Un solo de haut niveau, des modes multi sortant des sentiers battus, pourrait faire de Battlefield un des grands FPS de l'année 2015. Verdict à partir du 19 mars. You are looking at a very fast high-speed pursuit. A war without end requires a soldier without end. Grave, we're in position! Move out! I once believed it. Take his arms. The Order 1886, c'est un peu un Gears of War dans un Londres de Jack l'Éventreur saupoudré d'inventions de Nikola Tesla, le célèbre inventeur. Le jeu arbore des graphismes de très haute qualité, peut-être les plus impressionnants sur PS4. Les personnages de The Order sont des guerriers issus d'une confrérie de chasseurs de lycans exerçant depuis des millénaires. Les créateurs de God of War Chain of Sparta sur PSP débutent sur PS4 avec ce titre qui suscite énormément d'attentes. Extrêmement dirigiste, l'aventure a tout de même de quoi nous tenir en haleine. Il faut espérer que la durée de vie et le gameplay soient à la hauteur. À vérifier le 20 février 2015. Look out! Il s'agit peut-être du jeu le plus innovant de ce top et il se prénomme Evolve. Le nouveau bébé de 2K Games propose un gameplay asymétrique. 4 joueurs incarnent des chasseurs de monstres lourdement armés chargés de tuer une créature évolutive dirigée par un autre joueur. Celui-ci devient donc de plus en plus puissant au fil de la partie et donnera du fil à retordre aux 4 autres joueurs. Jouable aussi bien seul qu'à plusieurs en ligne, Evolve propose pour l'instant 4 classes de personnages et plusieurs types de monstres. Nos sessions de jeu sur les premières versions du titre nous donnent entièrement confiance quant à son potentiel. Et nous attendons le 10 février 2015 avec impatience. On ne présente plus Final Fantasy XV et son développement véritablement chaotique qui dure depuis bientôt 9 ans. Le titre refait de nouveau parler de lui et semble enfin se diriger vers une sortie prochaine sous la houlette de son nouveau directeur, Hajime Tabata, déjà à l'origine de Final Fantasy Type 0. Que dire si ce n'est qu'on espère que cette année sera la bonne pour ce titre attendu par une horde de fans impatients. Pour ce qui est du jeu en lui-même, on semble se diriger vers un action RPG assez classieux, assez loin de ce qu'offre la série habituellement. Sans être complètement convaincu ni totalement découragé, on attend patiemment d'en savoir plus sur la fin de ce projet qui peut redorer le blason de la série Final Fantasy ou le ternir pour de bon. Date de sortie, espérons 2015. Geralt de Rive, le sorceleur, revient dans ce nouvel épisode de The Witcher intitulé Traque sauvage. Classé dans le genre action RPG médiéval fantastique, ce nouvel opus a pour but de nous en mettre plein la vue tout simplement. L'aventure se veut non linéaire en offrant 36 fins différentes, variant selon vos choix au cours du jeu. Les développeurs de CD Projekt ont retardé la sortie du titre 2 fois de suite afin de se prémunir contre tout problème technique que le jeu pourrait accumuler par manque de finition. On ne leur en voudra pas si le jeu sort bien le 19 mai 2015 comme prévu.
this guy is, he's assembled an army. Got something here from a Black Ops team operating in Venezuela. There's nothing but speculation on their commander, though. The only thing sources agree on is his name. The Arkham Knight. Pendant que Warner Bros. Montréal s'occupait du développement du très moyen Batman Arkham Origins, Rocksteady Studios était déjà en charge de ce nouvel épisode, Arkham Knight. Profitant des avancées technologiques offertes par les consoles next-gen, cet épisode starifie la Batmobile enfin jouable et vraiment structurante dans le gameplay. Les effets de lumière et l'animation sont réellement renversants et l'ambiance est au top. On ne peut qu'attendre impatiemment d'être dans la peau de Batman. Le nouveau méchant, l'Arkham Knight, a tout pour devenir un méchant digne des anciens Joker ou encore Black Mask. Mais il va falloir être sacrément patient puisque le Chevalier Noir ne fera finalement son apparition qu'au début du mois de juin 2015. Halo 5, exclusivité Xbox One, devrait débarquer aux environs de l'automne 2015. Le contenu du mode story du jeu est encore très obscur, mais le multi fait l'objet d'une communication plus forte. Les possesseurs de Halo Master Chief Collection ont eu leur accès à la bêta du mode multijoueur, et peuvent ainsi donner leur avis aux développeurs de 343 Industries. Halo 5 génère beaucoup d'attentes pour ce premier essai sur Xbox One, c'est un peu le porte-étendard de la console de Microsoft, le représentant le plus tape à l'œil du genre FPS sur cette console. Un grand titre de 2015, assurément. Nathan Drake, le héros d'une des séries PlayStation les plus plébiscitées, revient à la fin de l'année dans un quatrième épisode boosté au graphisme next-gen. Après le sans-faute réalisé par The Last of Us, la pression est sur les épaules de Naughty Dog pour ce nouvel opus, qui se doit de ne pas répéter les mêmes mécaniques que les trois premiers épisodes d'Uncharted. Ce bref aperçu vidéo, bien que très accrocheur et extrêmement bien réalisé, prouve que les bases de la série ne seront pas bousculées, mais on ne boudera certainement pas notre plaisir de retrouver Nathan et ses amis dans cet Uncharted qui pourrait bien être le dernier. Parions sur une sortie en octobre 2015. The Legend of Zelda revient sur Wii U en HD pour le plaisir de tous les fans d'Hyrule. 2015 sera certainement une grande année pour Nintendo avec ce véritable hit en devenir, le système seller de la Wii U cette année. Comme vous pouvez le voir sur ces images de Miyamoto, nous n'avons que peu d'éléments sur Zelda sur Wii U, si ce n'est que les longues balades sur le dos d'Epona sont enfin possibles et que Link pourra ralentir le temps pour mieux viser avec son arc. On manque malheureusement d'infos sur la date précise de sortie de ce nouveau Zelda, mais c'est pour cette année et c'est déjà pas mal. Hideo Kojima fait le pari de revenir sur le devant de la scène avec un cinquième Metal Gear Solid. Pour la première fois, la star de Konami s'essaye au monde ouvert afin de délivrer une expérience de gameplay remise au goût du jour. Avec le moteur de jeu Fox Engine tout à fait au point, aussi bien sur PS4 et Xbox One que sur les supports de la génération précédente, MGS5 abordera des sujets difficiles, extrêmement matures, au cours d'un scénario complexe porté par Big Boss, déjà personnage principal de Metal Gear Solid 3. Enfin, l'aventure mettra en évidence un casting de personnages haut en couleur, comme dans tous les épisodes de la série. Notez enfin que Kiefer Sutherland, héros de la série 24 heures chrono, doublera le personnage de Big Boss. Sortie prévue cette année sans autre précision. «
Évidemment, ce top ne peut pas être complètement exhaustif vu le nombre de gros jeux en approche pour l'année 2015. On pense notamment à Mortal Kombat X, Quantum Break, Zelda Majora's Mask 3DS et Final Fantasy Type Zero. Rien ne vous empêche de nous dire quel jeu aurait pu, selon vous, faire partie de cette sélection. Sachez que vous pouvez retrouver l'ensemble des jeux de ce top sur Fnac.com en cliquant sur le lien ci-dessous. Enfin, on se dit au revoir avec des images de l'émission Fnac Gaming. Nous serons évidemment de retour en 2015 pour toujours plus d'actu, de tests, de conseils et de débats d'experts avec François, Vincent, Guillaume, Chloé, Steve, David et moi-même. Bonne année 2015 à tous et à très vite. Moi, c'est vrai que quand on parle de Final Fantasy, j'espère plutôt un bon gameplay, les ATB, des petits combats un peu sympas. Pour passer à autre chose que le RPG, parce qu'il n'y a pas que le RPG au Japon, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je fais partie des gens qui pensent que quand on achète une console, c'est pour les jeux. Et cette année, on a beaucoup de jeux. C'est Kojima qui est un peu la figure de proue. Et d'ailleurs, il dit « je vais arrêter » ou « je vais laisser les équipes se débrouiller, ils sont grands, ils n'ont plus besoin de moi ». Et puis finalement, il est toujours là. Pour moi, il justifie l'achat d'une console. Après, ça dépend des goûts de chacun. J'ai envie de vous dire, je lâche les fauves, battez-vous. Il y a vraiment un côté MMO très très fort et un côté RPG en même temps. Le côté aussi ultra marketing de FIFA et eSport, il faut le dire aussi. Et qui aujourd'hui a une équipe basée en Angleterre pour faire un jeu qui sera, entre guillemets, réservé au marché occidental.